Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu trouveras des idées et conseils sur comment investir en Guinée. Avant de commencer, je te rappellerai de ne pas finir la vidéo sans t'abonner, partager la chaîne ou même laisser plein de commentaires. Je suis Aimé Pierre et depuis 2020, j'ai investi dans l'agriculture en Guinée et sur Gainvest, je te parle de mon expérience, de mes succès et aussi de mes échecs. Mais surtout, je te parle des moyens pour toi de te lancer et surtout réussir ton investissement en Guinée. Donc voilà spécialement pour toi, 4 idées d'investissement à petit budget qui te permettront de te faire un peu d'argent en Guinée en 2022. Investir dans la vente de glace. On sait tous que les pics de chaleur peuvent être sans limite en Guinée, surtout à l'approche de la saison sèche. Donc pourquoi pas te lancer dans la vente de glace? Oui, la vente de glace. Ce business bien réalisé te permettra de faire de l'argent et surtout offrir un peu de douceur à tes futurs clients. Voici les lieux où tu es sûr que ce business sera le plus rentable pour toi. Aux alentours des écoles et universités, aux alentours des bureaux, il est même possible de trouver un fourgon et être le plus mobile pour couvrir le maximum de terrain pour servir le plus de clients. Tout ce qu'il te faut pour ce business, c'est d'une machine à faire de la glace. En plus de cela, il te faudra t'assurer de faire ton mélange dans des conditions d'hygiène irréprochables afin d'éviter toute contamination indésirable. Où trouver ta machine? Au marché Madina à Conakry ou en faisant une commande en ligne. Je te mettrai à la fin de la vidéo quelques gammes de prix de ce type de machine et les différents sites sur lesquels tu peux les trouver. La transformation d'aliments pour volailles. Le secteur de l'aviculture est un secteur en pleine expansion en Guinée et te positionner dans ce domaine peut te faire gagner beaucoup d'argent. Tu n'as même pas besoin de te lancer dans l'aviculture. Il te suffit de te lancer dans la fabrication de la nourriture pour volailles. Après une formation dans le domaine, tu sauras comment effectuer les différents dosages d'aliments en fonction des périodes de croissance de la vie des animaux. Je te conseille de bien étudier ton marché afin de toujours fournir des produits de qualité. N'oublie pas de faire attention à ta présentation, à ton emballage et au maintien de ton réseau de clients. Essaie de toujours t'assurer de respecter les différents délais de livraison afin de maintenir ta clientèle. Rappelle-toi que tes clients auront aussi un business qui dépendra de toi car ces business seront étroitement liés à ta capacité de fournir les produits de qualité dans les délais escomptés. Quels sont les endroits où tu peux mettre en place ce business? Je dirais que tu n'as pas besoin de grands espaces pour ce business, mais je te conseille d'avoir un magasin pour installer des différentes machines de fabrication ainsi que des locaux de stockage afin de pouvoir maintenir une logistique correcte. Pour démarrer ce business, il te faudra une machine qui permet d'assurer le mélange des différents nutriments et les compiler en un seul produit. La transformation d'aliments pour poissons. Ce business répond exactement aux mêmes contraintes et critères que la fabrication d'aliments pour volailles. En te plaçant dans ce business, tu apporteras des solutions respectant les mêmes problématiques que celles des volailles. Il n'y a pas de différence entre ce business et celui de la fabrication d'aliments pour volailles. Les fermes piscicoles sont moins présentes en Guinée, du coup, il te faudra, au début de ton business, faire un gros effort pour te créer une clientèle qui perdure. La vente de plumeuses. Ce business te permettra de fournir aux fermes avicoles ou personnes opérant dans le secteur de la vente de poulets de chair des machines qui leur permettront de plumer leurs poulets sans y passer trop de temps. Ton business permettra un gain de temps considérable aux personnes concernées, chose qui est un paramètre à ne pas minimiser dans la gestion d'une activité ou d'un business comme la vente de poulets de chair. Tu trouveras les plumeuses sur plusieurs sites en ligne et tu pourras comparer les prix afin de trouver celle qui correspondra le plus à ton budget. Donc voici 4 business que tu peux lancer en 2022 en Guinée afin de te faire de l'argent et sache qu'il y en a plein à venir et c'est seulement sur Gainvest que tu trouveras ces idées qui t'aideront à investir et à réussir ton investissement. N'oublie donc pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de partager la chaîne autour de toi. Je te dis à bientôt sur Gainvest.